ici. Donc, on a fait part de ce L moins pour former H. Pour former le carreau cation. Et ensuite, on va arracher H. On va attaquer par OH moins. On va par OH, attaquer par OH moins le carreau cation qui est stabilisé soit du côté supérieur, soit du côté inférieur. Parce qu'il ne s'agit pas d'une attaque dorsale avec inversion de configuration. C'est la deuxième caractéristique du substitution nucléophile d'ordre 2. Pour la substitution nucléophile d'ordre 1, on a possibilité d'attaquer du côté supérieur comme on a la possibilité d'attaquer du côté inférieur parce que le carreau cation est plane, d'accord, on a la même probabilité. C'est-à-dire, si on a un carbone asymétrique, on va obtenir un mélange racimique. Mais ce n'est pas le cas ici, on n'a pas un carbone asymétrique, donc on va former un seul produit. C'est-à-dire, on va substituer Cl par OH. On va substituer un groupement chlorure par un groupement hydroxyle. Est-ce que c'est clair? Bien sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions au niveau? Bien sûr. À ce niveau? Donc, pas, ce sont des exercices. J'ai dit souvent. Quand j'étais un étudiant à la faculté de sciences FAS, j'ai obtenu 17,75 et j'étais classé parmi les derniers dans ce module. Mais ce module m'a permis de s'inscrire en troisième cycle, c'est-à-dire d'assurer les travaux de thèse. Donc c'est très facile de maîtriser ce module. Si vous multipliez vos efforts pour maîtriser ce module qui est très très facile, vous pouvez obtenir même 20 sur 20. Donc à mon époque, plusieurs étudiants qui ont obtenu cette note 20 sur 20. Donc c'est pas un nombre qui est petit, plusieurs étudiants qui ont arrivé d'obtenir 20 sur 20 et 17,75. 18 et 17, ce sont de mauvaises notes à l'époque parce que le modèle très facile, on peut la maîtriser si on multiplie nos efforts. Et normalement, on va choisir toujours, si la vie, on doit choisir un module pour la bien maîtriser afin de suivre les études en troisième cycle. Si nous avons des mentions et nous avons maîtrisé l'un des modules, on peut bien sûr suivre les travaux de la recherche, Inch'Allah, de master et après, Inch'Allah, travaux de thèse. Donc, si nous avons obtenu une meilleure note. J'espère, Inch'Allah, vous l'obtiendrez tous. Maintenant, le produit C. La nature du produit C. Est-ce qu'elle est un alcène, un halogénure d'alcool, un alcool ou quelque autre chose? Un alcool. Alcool. Très bien. Alcool. La structure de C, c'est quoi? La structure de C. Benzène, c'est H2OH. Très bien. C'est sur un alcool en présence de la chaleur. Qu'est-ce qu'il va donner? Alors, qui est un volontaire qui va donner
La bonne réponse, c'est clair. C'est très, très, très facile. Il s'agit bien en présence de KMnO4. C'est une réduction. C'est une addition. Une réaction d'oxydation. C'est une oxydation. Alors, l'oxydation dans l'alcool, l'oxydation dans l'alcool, c'est pas l'aromatique. Hein? Alcool premier. Premier. Là, c'est l'oxydation dans l'alcool primaire. Vénalébile. Ah, non, le chétan. L'oxydation dans l'alcool. Acide carboxylique. Acide. Très bien, l'acide. L'oxydation en présence d'un KM1O4 concentré et la chaleur stéinique octet l'acide carboxy la carbone. C'est où on dit la double liaison. C'est où on dit l'alcool. Maintenant, les aromatiques, quelle que soit la chaîne, attachée à l'aromatique, l'oxydation va donner quoi? Va donner la fonction acide. COOH. Sauf, à l'exception, c'est un groupement carboné. Il est quand même groupement carboné. Par exemple, si on a CH2, C, doublement lié à O, et on a par exemple CH3. L'oxydation ne va ici, maintenant, comme chef l'examen, ne sera pas donné dans l'examen. C'est-à-dire, déjà, on a un cétone. Si vous avez un cétone, l'oxydation d'un cétone, il ne peut pas donner un acide carboxylique. L'oxydation d'un aldéhyde donne un acide carboxylique. L'oxydation d'un alcool primaire donne un acide carboxylique. Mais l'oxydation d'un cétone ne peut pas donner un acide carboxylique parce que l'acétone est fonction stable. Il est lié ici par CH3 et ici par un phényl. Il est stable, il ne peut rien donner. D'accord? Parce que, par contre, l'oxydation d'une double liaison qui est fragile, instable, monsieur, parce que je suis un peu plus. Oui, monsieur, la matin, c'est mieux. Vous m'entendez-moi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je vais l'appeler. Elle a perdu la connexion.